Salut, salut, c'est AJ, bienvenue pour la suite de ton aventure sur DQ11S, toujours en mode 2D et en mode ultra difficile avec les quêtes draconiennes. Nous sommes arrivés à la tour de l'effroi après avoir crafté une nouvelle épée de lumière qu'on n'équipera pas malheureusement puisque c'est une épée simple et nous on est à l'épée lourde avec le héros principal. Et comme tu peux le voir en termes de niveau, bah, j'ai pas mal monté. Donc grâce à la technique de la métaluminescence, j'ai fait ça dans la tour de l'effroi, l'XP est monté très très rapidement, simple et efficace. Niveau 56 et 57 pour Eric. Les catalogues de quêtes, ça on a vu ensemble, j'ai fait un live qui a duré entre 2 et 3 heures pour faire tout ceci. Donc tout est rempli, mis à part les mots de passé, hein, dont celle-ci, un homme à Dame Dara. On y reviendra, d'ailleurs il y a des petits bouts de cul aussi que j'ai trouvé. Pareil, on y reviendra plus tard. Allez, on continue dans la tour de l'effroi et on poursuit notre aventure. Notre quête, rendez-vous à la forteresse de l'effroi pour affronter Mortegor, le seigneur de l'ombre. Là, c'est bloqué. La porte fermée par magie, ouais. On va aller faire un petit tour à droite. On n'a pas de carte, hein. Ça va être compliqué pour s'y retrouver. Et au niveau de l'hexagramme, bah, j'ai monté pas mal de choses. Oh ouais, ma protection sacrée. Tout le long, on va faire ça comme ça. Hein. Puisqu'apparemment, les monstres n'apparaissent pas. Et c'est cool. Pas trop de combat. Un objet brillant. Avec la musique, hein, bien sûr. Qui ambiance pas mal l'endroit de la tour de l'effroi. Un bouton. Ah, il y avait une porte scellée aussi à gauche. Bah c'est ouvert. Cool. Avec Hendrik qui a son armure bien à lui, l'armure d'Hendrik. Hop. Pareil, c'était les deux marchands là qui proposaient un prix et qui diminuaient au fur et à mesure. J'y suis retourné. Ils avaient l'armure d'Hendrik. Comme tu peux le voir, j'ai mis en première position parce qu'au moins lui il résiste super bien aux attaques. Belle sur tous les fronts. Tiers de princesse guerrière, robe de princesse guerrière. Pas mal, pas mal. D'ailleurs aussi. Eh oui, transforge. Avec les niveaux. C'est amélioré. La flamme d'Héphaïstos. Coup de maître. De temps à autre, tandis que vous serez en train de jouer du marteau pour fabriquer un objet, une inspiration soudaine vous permettra de déclencher cette formidable aptitude. Ça ne se produit qu'une seule fois par séance. Après l'avoir utilisé, un message vous indiquera que vous êtes fin prêt pour l'excellence. Et toutes vos frappes et améliorations feront exploser les jauges. Mais attention, cela ne dure qu'un seul tour, alors si vous gâchez cette opportunité en l'utilisant pour augmenter la température ou pour autre chose qu'une frappe, il ne restera que vos yeux pour pleurer. Ouais, vraiment un truc final à utiliser. Ça reste des coups critiques à coup sûr. Ah, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça fait ? Défense, agilité et du charme. Les deux. Eh ben on va faire les deux pour Jade. Ce qui va d'ailleurs ouais, changer son skin. Elle fait partie de la tenue de la princesse guerrière. Allons-y. Allez, coup de chaud. Un double coup de chaud. Plus la température est élevée, mieux c'est. Et frappe au carré. Plus de chances de faire des coups critiques et ça met aussi plus de points. On va partir sur une double frappe de ce côté. Joli. Encore. C'est pas mal là, c'est pas mal. Peut-être frapper simplement. Parfait. De petites frappes. Ok. C'est comment? De très bonne facture, plus 2. Ça va peut-être dépasser hein, si je fais ça. Bon, on va valider le plus 2. C'est pas bien grave. Tiers de princesse guerrière plus 2. Parfait. Et robe de princesse guerrière. La même chose. Et frappe au carré. A peu près la même chose que la tiare. Avec moins de critique. Ça c'est pas cool.
Une double ration. Non, double ration, ça va être beaucoup trop. Je vais frapper. Frapper là-haut. Et on va y aller à coup de petite frappe. Très bien. Très bien. De bonne facture, je peux faire mieux. Bonne facture. Ouais, j'ai plus assez de points. Bon bah tant pis. Ce sera juste un plus 1. Il y a certains équipements, accessoires et objets qui sont bien plus compliqués que d'autres. Défense plus 88. Beaucoup de défense, hein. Ce truc qui renvoie les dégâts. J'avoue que ce serait bon de changer. Ah, réduction des dégâts élémentaires aussi. Oh oui. Qui préserve de toutes les attaques élémentaires. Ah bon, on va le faire. Voilà, petite pause. On fait du craft. Pour une fois, je fais pas de mon côté. Tous les coins de concentration sont réduits de moitié. Cool. Ça coûte moins cher. Ah, on a la coup de maître. C'est pour les coups critiques. Peut-être frapper normalement. Frappe carré au-dessus. Coup de maître. Et frappe au carré, juste là. Ouais, c'est ça, c'est pour les coups critiques. Double ration. Oh, ça va être beau, ça. Ça va être très, très beau. Si c'est pas un plus 3, bizarre. C'est un plus 3. Ta 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 ta. On continue. Homme gluant de métal, l'écu. Non. Et après, j'ai la gluant d'épée de métal. C'est parade. C'est un point de dégâts contre les monstres métalliques. Mais qui tape fort, hein. 444. C'est vraiment pas nul. Deux coups de chaud à chaque fois, j'aime bien. Tac. Un coup. Super. Aspiration soudaine. Le retour. On va faire tripuration. Chance de frappe critique accrue. Frapper normalement. Frapper normalement. Coup de maître. C'est quand même la méga frappe au carré aussi. x2. J'aurais pu utiliser ça. Tac. Tac. Pareil. Elle doit être parfaite cette épée. Hein. Très très bien. On va en avoir besoin en plus. Gluant des épées de métal. Alors après, le home. Donc ça sert à ça, les gouttes métalliques. Méga frappe au carré. Trituration. La même chose, dommage, pas de critique. Une double. C'est pas mal, c'est pas mal. Frapper normalement. Ainsi qu'une double frappe. Excellent. Ça va, on fait du bon stuff là. Un petit plus 2. Et pour moi, ça doit être bon. Une fourche des tempêtes. Cuirasse de danseur. Jade et Sylvando. Homme de mithril. Pas de propriété particulière. Ah, ça me va. Qu'on retourne dans l'aventure.
Équipement. Alors. Épée de bronze, épée très large, non. Grande épée de métal. 463 d'attaque. Abusé. Et on va aller plus vite. Exactement. Jade. Parfait. Hendrik Tacro, Dragon, Obdades et Côte de Gluant de métal. Ah mais j'ai un Hendrik qui est pas mal aussi. On va regarder ça. Et c'est ok, logiquement. J'ai équipé ce qu'il fallait. Alors, allons en haut maintenant. Je pense aussi à un autre truc. Feuille d'Yggdrasil, j'en ai sur qui? Là, j'en ai plus. Feuille d'Yggdrasil, il y en a deux. J'en ai transféré. Ah, j'en ai deux aussi ici. Pas sur Hendrik. Si l'un d'eux, tu en gardais une aussi. Jeu de lumière là. Et des coffres. Allez. Lingot d'or. Et une boîte de Pandore. Hihi. Grande onde. On va voir si c'est puissant. Juste un envoi de baiser ou attention derrière. Et évite une mort instantanée, héros principal. Oh là là là. Ok. Ok, les vilains. J'ai perdu deux personnes. Trop bien. Ça me risquait hein, de laisser agir. Ouais. Très très risqué. Parce que s'il faut que je fasse tout, ça va pas être cool. Un petit solo d'enfer. Et encore résurrection. Oi 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 oi. T'es pas là pour rigoler toi hein. Les méga kill save. En plus il absorbe mes PM pour pouvoir le refaire. Empâté. Attaque, attaque. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais je pense que Gigattaque du Faucon est bien mieux. On soigne. Oh, la spire magie. Brûle. Ouais, c'est plus puissant. Y a pas photo. Mais ça coûte aussi cher. Ah, va terre sur toi. Comme ça, on risque pas une mort. Tac. Regarde du diable. Affecté, pas affecté, Jade qui meurt. Aucun dégât non plus. Et bien on va refaire encore une résurrection. Joli coup critique à 36 points de dégâts, c'est pas foufou. Rayon sexy. Défense. Enfin. Super résistante la boîte, hein. Popopo. 5 objets, graines de compétence. Agis. Et on modifie l'alignement.
Hendrik premier. Jade deuxième, Angie troisième, Serena quatrième. J'avoue qu'on pourra les soigner auprès de la statue, mais bon, on va continuer à avancer. Hop. Jarre. Cocon coloré. Oh, un monstre. Terrible lion. Essaye de le charmer, tiens. Envoie de baiser. Petit envoi d'amour. Il est pas charmé. 662. Il fait tellement mal. Un gros méga glace. Et un coup critique. C'est Lando niveau 57. Ouais, 23 points, j'ai quelque chose à débloquer avec lui. Putain, vous tente. Ça, c'est quoi? C'est du fouet. Bon, on va mettre la putain, vous tente. Voilà, j'ai tout débloqué en charme. Théo, je le dis soir. Poursuivons. À gauche. Ouh! Un roi glande métal. Alors là, Serena, tu as bougé. On va appeler Eric. Pourquoi j'appelle Eric? C'est pas pour rien. J'ai pas du faucon. Rayon sexy. Fury lame. Et on a critique systématique. S'il fuit pas, et il fuit pas. Oh oh. Tu es à nous. Il est fasciné. Parfait. À nous l'XP. Pas mal de monde à monter en niveau. Hein. Mega Bank. Et une couronne de lion. J'en ai déjà chopé pas mal. Mais toujours ça de prix. Alors, bonus hypertonique, bien entendu. Jade, 15 points. 15 points, 15 points. Ce qu'on peut aller chercher. Peut-être ce sera enlevé. Hein. Pourquoi j'avais pris ça? 1, 2, 3. Je prends lui, ça fait 4. Je peux regarder ce truc-là. Ouais, on va voir pour les points. Mais ce qu'il nous faut, c'est des trucs pour améliorer les coups critiques quand on est équipé d'une certaine arme. Là, la lance. Comme nous, on laisse la lance. On va aller le chercher. Agi, 15 points. J'avoue que le soin complet me paraît pas mal. On a aussi méga foudre. Extrêmement puissant. Ou omni soin. Il manque un point. Oh, on va attendre. Ça peut toujours servir à omni soin. 16 points. Et Serena, 25. Je sais plus trop quoi lui mettre, elle, hein. À peu près tout mis. Ouais, mais ça a la baguette. Fluidité. Les parades à la lance. Sinon, un truc en fouet. Parce que là, plus rien ne me sert. Hein. Bon, allez. Histoire 2. Madame chez Brillant. Et un coffre. Chronocristal. Bon, ça va pour le moment, je prends les mauvais chemins. C'est cool. Yep. On va aller à droite. Force magnifique, bloque le passage, magie, sans que le pouvoir l'éclairer pour en venir à bout. Les cristaux qui emplissaient la pièce ont disparu et vous pouvez maintenant rejoindre le niveau inférieur. Du coffre.
Ça va être la suite. Il va y aller en volant. Il faut un certain monstre qui va apparaître ici. Ouais, dragonnier de l'effroi. Tornade rose. Côté la serre. Ah, on va faire un petit super foot, tiens. Ça coûte cher quand même, hein, 22. Eric, tu frappes. On a de l'amour. Oh, méga élec. Ah si, quand même. Ça vaut un quadrille d'acer. J'aurais pas cru. Ouais, ils sont pas venus avec moi en plus. Allez, dragonnier. Viens avec nous. Du cobra, excellent d'ailleurs, un critique systématique. Il suffit d'avoir des doubles. Alors, je crois pas que ça fonctionne avec super décuplo, etc. Plus sûr, logiquement, les critiques ça prend pas en compte tout ceci. Et on va utiliser protection sacrée, pertuisane. Oh, 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 oh. Ça, c'est une lance. Ok, je ne sais pas, 2% des ennemis ne peuvent pas bloquer les attaques. Pas mal, pas mal. Et un objet brillant. Ok, je peux remonter. C'est pas un problème. On va le faire tout de suite. Mais c'est un raccourci au moins pour pouvoir soigner. Bon, si jamais on a la monture aussi, hein. Eh, un coffre. On va essayer de fuir. Et on réussit. Trois morceaux d'étoffe arc-en-ciel. On va suivre le chemin par là. D'ailleurs, la porte qui était scellée en bas, normalement c'est un bouton bien plus haut et bien plus loin qu'on va devoir activer et donc revenir ici. Avec un œuf, il y a quoi en bas? Ça, c'est la suite. Il va y avoir un objet qui brille. Peut-être un coffre, mais je ne le vois pas d'ici. On va trouver encore une monture et puis c'est tout, hein. Allez. Cherchons un combat. Déhanchard. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais pourquoi pas. Attends, quadrille d'acier, ça coûte combien? 24. Et je crois que super foudre, c'est la même chose. Non, c'est 22. Je vais te faire ça alors. Parfait, aucun charme. Super Thunder. Quand on aura la méga foudre. Ça va faire très mal. Et un saut de cobra. Sec. Tac. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le job. Bon, c'était pas les monstres qui m'intéressaient en revanche, donc. Il faut retrouver un autre. Voilà. Attaque du faucon sur le cabrio diable. Un rayon sexy. K9. Quadrille la serre.
Et mince, comment? Bon, je pourrais pas l'empoisonner, c'est sûr. Nice. Est-ce que t'es là? Oui. Boing. Pas d'objet. Là oui. Ce tissu sombre. Bon bah c'était rien que pour ça. Toi. Ok. Combat direct. Groupe de fixes. Méga protection. Direct. Cherche pas à comprendre. Et empoisonne-moi tout ça. Yo. Intoxiqué, mais Hendrik a pris cher. Voilà. Il va s'en sortir. Et en même temps, d'un coup miraculeux. Pour se soigner. Tac. Jusqu'au bras. On résiste, on résiste. C'est... Voilà. Ça se voit que dans ce let's play, j'utilise... Impossible d'aller plus loin. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, on va sortir. J'utilise beaucoup plus l'offensive. Des grosses attaques, mais les PM, ça coûte. Oh, t'es sérieux, faut que je récupère un méca neuf. Oh. J'ai pas le choix. Bon, attends, on va se retrouver du coup quand on a un méca neuf. Voilà le méca neuf. Allez, boing. Et boing. Ça monte, hein. Remettre d'ailleurs ceci. Comme on a dit, moyen de combat, mieux c'est. Même si en termes de niveau. Wow. Je crois qu'on est déjà assez bien. Là, c'est la suite. On va aller par là. Précis sur la parade. Casaque de général, paire de bottes de général. Je crois que c'est pour Hendrik ça. Objet important, transforge. Forger de nouveaux objets, boîte de général. Agilité, charme. Ah, PV maximum aussi. Oh, attends, il y a de l'agilité. Et tout ceci. Protection contre la perte de tour. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, c'est même très très bien. On va se les faire. Encore une fois, hein, deux coups de chaud. Ah, chance de critique accrue. Méga frappe au carré. Allez, lui c'est fait. Double ration, non, triple ration. Ce serait peut-être mieux. En bas aussi. Chance de critique là-haut. Mettre une double ration. Et enfin, des doubles frappes. Magnifique. Excellent ici. Casaque de général. Plus 3. Hendrik va avoir tellement de PV. J'en ai beaucoup. Cœur dragon, allez, on paye, on est riche, on est des fous. Multifrappe au carré, ça a tapé au hasard. Ouais, je peux même remettre un coup de chaud. Hein. C'est pas mal hein, la multifrappe au carré, faut pas croire, même si c'est complètement random. Ça coûte pas très cher. Inspiration soudaine, on va pas utiliser tout de suite.
Coup de maître. Oh, ça peut le faire. Et on va faire frappe au carré sur les trois du bas. Ou même méga frappe au carré. Je suis sûr de le maximiser celui-là. Oh, chance de coup critique accrue. Non, Hendrik, tu vas être très bien. Après, plus on monte en niveau avec les personnages, plus la transforge, c'est plus simple. On a plus de points. On peut utiliser bien plus de compétences diverses et variées. On a des casaques de général. Non, pas avec l'homme de Death. Tac. Ah, c'était les bots en plus. Est-ce que les bots ils l'équipent non plus? Bon, le buste. Casaque de général. Ah, défenseur, au bac de sorcier, défense et paix maximum. Mouep. Bot de général. Elle est excellentissime. Il est comment? Salut tous. 568 PV. T'es très très bien. Pouvoir de l'éclairer. Bon, pareil là, j'essaie de trouver le monstre pour récupérer tout ceci et puis aller soigner. Eh ben, c'était une grosse galère quand même. Hein. J'ai pris assez cher. Protection sacrée. Il y en avait 3, j'étais souvent paralysé. Compliqué, compliqué. Mais bon, j'en suis sorti. Il y en a 200 sacrés. Allez, je vais redescendre. Je reprends, hein. Pourquoi pas. Ça réapparaît. On a bien mérité un petit coup de repos. J'ai plus de PM. Et après on remonte. Et nous revoilà à l'étage où on est descendu. Je peux pas aller plus loin avec ce monstre. On va le poser. Et on poursuit. Alors on va aller à droite. Ouah. Je vais prendre cher. 511 PV. 506. Oh, ça passe. Je prends très peu, mais finalement. Ok, des machines. Bon, c'est pour avoir des jetons. Il y aura rien d'autre. Ça m'intéresse pas. Parce que sinon, on va se farcir quelques combats. Contre ces roulottes. On n'a pas besoin de soigner. Tu vas bien, J. C'est un vrai grouille de monstre. Alors faisons attention à ne pas nous épuiser. Pas de soucis, Serena. T'inquiète. Mm-hmm. Cet objet brillant. Et ici, ça sort. Ok, il y a encore plus haut. Et ça, c'est la suite. Alors, on va retourner sur nos arrières. On va passer par les pièges. Alors à savoir qu'on peut avoir une monture hein, ici aussi. Mais finalement, comme ça n'avait pas grand chose en dégâts. Ouais, il y a un coffre. Et 10 médailles. On n'a pas besoin de s'enquiquiner. À le trouver en combat. Et surtout le fait qu'il se décide qu'on puisse le monter ou non. Des fois, ça prend du temps. Tu remets. Alors, et Goliath. Protection. Vamp, on va se transformer. Et on soigne direct. Il a bloqué. Non, franchement, Hendrik, avec bouclier, il est très très bien en première position. Bon, là, il est mort. Le pauvre.
Ah, un petit balayage de feu. Allez, balayage de feu. Quadrille la serre. Et une raise. Là. Tac. Il s'étale. Et ça perdait tout. Allez, vas-y, frappe. Tornade rose. Ah, Jade, vraiment, il lui faut des trucs pour augmenter ses PM. 3-4 attaques, c'est terminé à la pluie. Muscle. C'est bien. Coup critique. Tap, tap, normal. On re-soigne. C'est bloqué. Il arrête pas, Hendrik. Il bloque tout. Défense. Fiole de finissance. On a bien vu, hein, sur une tour il y avait un coffre. Pareil en hauteur sur la droite, quand on est sorti, il y avait aussi un coffre. Ah. Peut-être en volant de là-haut. Ça me paraît bizarre quand même, mais bon. Ouais. Sauter d'ici. Oui. Encore. Bastos doré. C'est pas eux qui ont un objet qui est extra bien. Personnage, on va changer Jade avec Eric. Combo d'équipe, l'heure de pointe. Allez, on va le balancer. Nous protéger. Essaye fauche. Et super. Accéléro ou mégaltation, mégaltation. Non. Il y a certains monstres qui ont des objets qui peuvent être pas mal. Wow, 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 wow. Tout doux, hein. Reviens avec nous. Un petit critique systématique. Envoûtante, on va essayer de les envoûter. Encore méga altération. Pas affecté, ok. Et fait l'effet de foi. Eh oui, le truc fonctionne bien. On va activer deux fois le même sort. Somnifère. Défense. Ouais, fais dodo. Boutique. Mort. Eric, un petit 58. Ouais. Tu as combien de points? 10 points. Il faut 14. Ici, il en faut 9. Bon, on va le mettre lui. Mille combats, waouh. Déjà. Clan de Mercure, l'intégrale. Ouh, épée de Mercure, plus grande épée de Mercure. Waouh, 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 waouh. Il ne me dit pas que l'épée est encore meilleure. ouais, mais c'est normal, c'est parce que l'autre allait à fond. 190. Kocho. Kocho. Tous les coups sont réduits d'une moitié, ok.
Ah, méga frappe au carré ici. Comme ça coûte pas cher. Je voulais pas faire ça, je vais faire frappe au carré, mais bon. Pourquoi pas? Chance critique. Ah, ça a peut-être dépassé celui-là, j'en sais rien. Ah, ça va, ça passe. J'ai eu un peu chaud quand même, mais bon. Attention réduite de moitié. Petite frappe. Là. Et encore une petite frappe. Bon, elle est pas folichonne à vrai dire. Ouah, bah très bonne facture. Plus 2, ça vaut quand même le coup. Par rapport à l'épée que j'ai. Clurant d'épée de Mercure. Encore plus fort. Armure de Mercure. Défense, réduction dégâts élémentaires 18% avec deux cornes de dragon. Cho. On a fait gluant de métal, non, on passe au gluant de mercure. Encore un coup. Tac. Et après, il est à triple ration. Ok, bon, ça c'est mort. Ne cherchons pas. Je fais pas mon maximum, mais bon, ça servira à rien. C'est pas bien grave. Enfin, je le retravaille. Oui. Et casque de mercure. En fait, c'est pour à peu près tout le monde. Ah, Dracolite, ça s'achète pas. Ouais, ne s'achète pas. Où il y a le petit gilet. Ainsi qu'un boubou. Une lance de mercure. Séduction des gluants en attaquant. Pour les gluants seulement. Je peux crafter d'autres trucs, mais on va pas prendre du temps pour ça. On va avancer. L'heure tourne. La tour de l'effroi, c'est quand même assez long. Allez, essaye d'empoisonner. Toi, essaye d'endormir. Et accélère-nous. Et autant super accéléro. Accéléro, super accéléro. Intoxiqué. Va te soigner. Eric va faire division. Sylvando. Jouer vers l'or. Ou re-soigner encore derrière. On va re-soigner. Lance des soins. Et pour toi, ma chère, ce sera super décuplo Eric. C'est avec ça l'état hypertonique. Eric peut faire mal. Très très mal. Franche. La protection. 629 qui fait plaisir. Ok. Mettre en défense. On va tenter de l'empoisonner. Allez, petit soin. Encore intoxiqué. Adieu Eric. Double multi soin. Ça, ça peut être très très fort. Hein. Franchement. Défense. D'enfer, Rez.
lancer le team. Corps défense, fauche, non pas fauche. Coup franche. Et ça. Ne meurs pas Eric. Tiens bon mon ami. Bon bah. Si tu veux. Est-ce qu'on change de groupe? Ouais, on va faire Hendrik. Chad. Théo. Eric. Petit croissant lunaire. Puff puff. Un rayon sexy. Et encore résurrection. Tu l'as pas appris? Si, tu l'as appris. D'accord. Vaincu. J'ai bien fait d'aller soigner quand même. Hein. Pop, 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 on remet. Et il me faut encore une nouvelle monture. Bon. On va essayer de la trouver. Et voilà. Tac. Et tac. Oui. Ça me fera toujours délirer, hein, ce mob. Monter sur les murs comme ça. Oh. On va aller sur les côtés. Ah! Pour revenir ici, bien plus vite. On va profiter. Hein. Alors, carte protection. Tornade rose, comme ça je vais pouvoir les re-soigner directement. Et un multi-soin. De prévoyance. C'est bien, continue à faire ça, mais essayez pas de me paralyser. Tu vas faire jusqu'à attaque du faucon. La tornade. Un super foudre. Il reste plus qu'un. C'est yes. Ah mes PM. Corne dragon. Très bien. Tac. Pas d'objet. Qu'est-ce qu'on a plus loin? Possible d'aller plus loin avec lui. Bon bah re-soin. Et on revient à cet étage encore une fois. Par contre ouais, j'ai oublié de faire un truc. Ce donjon me rend tellement fou. On va le faire. Hop, je remets ça comme ça. Et enfin c'était sur agile les équipements. Voilà, armure de mercure. Et la lueur d'épée de mercure. On te lâche et on continue. Non, c'était devant. Et non à l'arrière. Alors, on a le téléporteur juste ici. Là, nous n'avons rien. Et ça mène juste là. Bon, cet épisode va être long. Franchement, c'est cadeau. Hein. L'épée nébuleuse. Sac d'équipement. Épée simple.
peut diminuer les défenses des adversaires qu'elle frappe. Pour Hendrix, ça. Pour Hendrix. Épée nébuleuse. Est-ce que ça compte en tapant plusieurs fois? Un petit bouton. Et une plateforme. Rien de plus, rien de moins pour le moment. Après, on a encore le téléporteur qui est juste à gauche. Youhou! Celui-là. Peut-être là qu'on pourra choper le coffre. On va sortir par ici. Qu'on avait vu sur les hauteurs. Petit bouton. Et les autres plateformes. Et il m'en manque une. Pour aller tout droit. Là, je peux déjà aller sur les côtés. Hey, 50 000 pièces d'or. Et info, liste de monstres vaincus. Wagon de métal et Goliath. Je peux pas trouver un monstre pour voler jusqu'à ce coffre là-haut. Alors, c'est soit par le bas, soit par ici. C'est ça qui est compliqué à savoir. On va voir ça tout de suite. J'essaie d'en trouver un. Pareil, on coupe. Hein. Bon, j'ai pas trouvé de monstre pour pouvoir voler. Alors, j'y reviendrai. De toute façon, on pourra pas finir tout dans cet épisode. Mais au moins s'arrêter sur une certaine chose. C'est pas bien grave. Je vais pas la retrouver par moi-même. Alors, ce passage est créé. Allons à gauche. On ouvre les portes. Un autre bouton poussoir. Qui ouvre la porte d'en bas. Il va falloir qu'on y aille. Parce que bon, s'il y a de bonnes choses. Hop. Waouh, peut-être en repartant. Enfin, entre guillemets. Pas sans kékiner. Ouais, on va aller tout droit là. On va aller tout droit. Alors l'alignement des comment. Ok, je fais ça comme ça. Et comme ça. Sachant que j'ai tout le monde en état hypertonique. Il va falloir que je bouge avec certaines personnes. Encore un coffre. Quatre élixirs du sage. Élixirs du sage, t'en as plein. Toi aussi. À place de remède puissant. Encore élixir du sage. Agis. Remède puissant. Jade, tu vas en donner pareil. À Serena. Et à Théo. Allez. Cette fois. Véronica, c'est vraiment toi? Ça se sent que c'est toi. Serena? Vous êtes là, tous les deux? Oh, grâce au ciel, je me sentais si seule à cet endroit horrible et froid. Maintenant que vous êtes ici, je peux vous demander quelque chose? Je peux vous demander de mourir? Enfin, ça pour moi, dites. C'est vrai, ça? Moi, je suis morte et pas vous. Ce n'est pas très juste, non? Allez, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez mourir pour moi ou pas? Je voulais vivre et je n'ai pas pu à cause de vous. Alors, soyons quittes. Allez, mourir. Non.
Fuis, ville fantôme, maudite incarnation, que la lumière dissipe la sombre illusion. Véronica n'aurait jamais prononcé des mots aussi affreux, alors disparais, va-t'en. Non. Elle n'a rien regretté, je le sais. Lorsqu'elle nous a quittés, son cœur était empli d'espoir. L'espoir que nous ramènerions la lumière. C'est toi qui fais cela? Je le sens. Enculé, monte-toi. Vous parlez encore d'espoir, de lumière. Alors même que l'une de vos amies ne peut plus être sauvée, votre foi est écœurante. Mon cher Hendrik, tu t'accroches à la vie avec un tel entêtement. Tu n'as jamais su abandonner. Encore une de tes vertus que je méprise. Je présume que tu es ici pour t'entretenir avec mon maître. Je crains de devoir te décevoir. Je te demanderais bien de quitter les lieux avec politesse. Mais nous savons tous les deux que tu es bien trop borné pour m'écouter. Et puis je ne voudrais pas que tu aies fait tout ce voyage pour rien. Regarde-moi que le désespoir t'envahisse, Hendrik. Je t'ai enfin surpassé. Imbécile, le seul domaine dans lequel tu me surpasses, c'est la cruauté. Voilà des propos bien audacieux, mais tu le paieras de ta vie. Je présenterai vos corps sans vie ou en offrande au tout-puissant Mortegor. Et gros combat de boss contre Jasper déchaîné ou Jasper l'enculé pour les intimes. Alignement. Déjà, tu vas le perdre, j'ai aussi. Ouais, mais je pourrais booster moi à côté, c'est ça le truc. Serena, s'il te plaît, on va mettre Théo. C'est pas grave, je vais le perdre. Complain de Forazil, on va directement l'endormir. On va pas s'enquiquiner. Se transformer. Et Furila. Fais dodo! La compétence ultime. Complain de Forazil. La butte chez la butte. Personnage. À la place d'Hendrik, Sylvanto. Je vais garder encore Théo. Ça m'intéresse pas, ça. Super Décuplo, par contre, m'intéresse grandement. Plus bénéfique. Oui, oui, oui. Bien sûr, il tape plusieurs fois. Hein. Très bien. Alignement. Théo avec Serena. J'ai rien du tout. Ah, parce que le truc du cœur, ça améliore pas la puissance avec Super Décuplo. Donc Hendrik, tu reviens. Faudrait que je l'empoisonne aussi. Ça attendra. Cœur protection. Boink. Multisou. Ah! Un tour, je me suis écrasé. Je peux taper avec quand même. Je me suis relevé direct. C'est le cas, c'est parfait. Sur le combat. Et oui. Altération. Oh, une altération, tiens. Empoisonné. Fléau du jugement. Pas. Eric, terre brûlée. Défense, défense pour soigner. Là. Petit pentacle brûlant. Oh, wow, wow, Serena est morte. Balayage de feu, je vais pas dire non.
On va remettre Théo. Et Hendrik encore. Vas-y, balayage de feu. Une défense intense. Moi, je puisse soigner. Vraiment, je soigne avant de faire une résurrection. Tombe. Ok, elle n'est pas tombée. Mais nous, oui. Pauvre Théo. En garde. Défense, défense. Du soin. Allez, Théo, s'il te plaît. Voilà. Puissante, hein, cette attaque. Plus hallucination. Complain de Fandrasil. On remet une méga protection. Vamp. Et furie de l'âme. On va se mettre en défense. Je vais pas le frapper pour pas qu'il se réveille. Ok. En tout cas, ça m'a l'air bien. D'un côté, il faut que je soigne. Je vais encore laisser sur Hendrik. J'ai 4 attaques du faucon. Tac. Je vais essayer de les ramener à la vie, les autres. Il se réveille. Aucun dégât. Vous êtes juste là pour résister. Hein. Fougue. Pour être deux soigneurs. Ouais, je peux rien faire encore pour le moment. Est-ce que ça fonctionne la foufougue? Soin avancé, Jade. Est-ce que t'es charmé? Non. Ah, c'est cette attaque-là, hein. Qui recharge chaque fois. Et du renfort. Oh, oh, oh. Ah bah, il est vaincu. Parfait. Petit point de compétence. Ça aurait pu monter de niveau. C'est dommage. Magie. Prends l'homme du soin. Fais comme ça. Quand j'ai plus de soigneur, avec lui, je pourrais soigner. Bénédiction de l'hydragon. Et 16 points, chance de devenir hypertonique. Je prends. Comment? Ah! Je suis le premier de tous les démons, le commandant suprême des sentinelles spectrales. Comment de simples humains ont-ils pu me vaincre? Encore une fois, tu m'as surpassé. Encore une fois, tu as emporté. Encore une fois, tu m'as devancé. Plus tu étais baigné de gloire, plus tu brillais. Plus je disparaissais dans l'ombre. Sais-tu ce que j'ai toujours voulu? Je voulais être comme toi. Blah. Mort? Lampe d'argent. Oh, mais voilà soigné. Mais écoute, on n'ira pas plus loin, non, pour cet épisode, puisque là, ça va être boss final. Et oui, Mortegor. Ce que je veux faire, c'est ça. Et on va retourner en bas, puisque la porte est ouverte maintenant. Voilà. Avec un coffre. Enfin, ça, de météore. C'est pour l'agilité, ça. Agilité plus 100. Ma chère Serena. Vive plus 13, sa défense. À la place de vive plus 2. Qui augmente la probabilité de frapper le premier. Ouais. On va prendre ça de météore. 290 d'agilité. Là, c'est bien. Là, c'est excellent. C'est très très bon. Et donc, ce maudit coffre qu'il y a en haut. Ok, après avoir galéré pendant des lustres, après avoir combattu deux rois glands de métal, montés d'XP et donc deux niveaux, et aussi
un monstre extrêmement rare, le puits centurion, rarissime, qui avait beaucoup de PV. Et ben en fait, c'était un Cavalemort qu'il fallait, et non un monstre volant, pour pouvoir monter juste ici et aller chercher le coffre. Tout bêtement, casque de Mercure. Et en plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouh! Et ouais, j'aurais galéré pendant des minutes et des minutes en croyant que c'était un monstre volant qu'il fallait. Mais non, voilà, c'était tout simplement un Cavalemort pour pouvoir grimper sur la tour. Bon, on va se quitter ici. Il faut que j'aille me soigner. La montée de niveau m'a donné d'autres points de compétences. Je vais rattribuer aussi des points dans l'hexagramme, notamment pour Jade, puisqu'il faut le 1000 coups de pied, qui est une attaque extrêmement puissante. Comme j'avais remis un petit peu en lance, bah, je vais retirer et je vais prendre 1000 coups de pied. Et du coup, j'espère sincèrement que tu auras apprécié ce gros épisode. Ça me fait plaisir. Je fais des bisous, je te donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur DQ11S, où on ira affronter le Seigneur des Ombres, Mortegore. Allez, à la prochaine. Salut! Tchuss!